vous rentrez dans votre voiture, vous prenez l'avion, vous prenez le train. Dans la voiture, au bout d'une parsa de à peu près 4 km après le départ, une fois que vous êtes sorti des agglomérations, on fait Tfilat Haderech. Il est recommandé de la faire, bien sûr à l'arrêt, de sortir de sa voiture et debout, de faire la Tfilat Haderech. Si malgré tout, on le fait de manière assise, ça marche aussi. Cette Tfilat Haderech ne commence pas par Baruch Ata Hashem. Or, nous savons qu'il est une bracha, prend toute sa valeur, toute sa force lorsqu'elle commence par Baruch Ata Hashem et qui est finie par Baruch Ata Hashem. Donc, il est vivement recommandé de faire une bracha, comme par exemple Asher Yatzar ou Borei Nefashot, à la suite d'une boisson que l'on aurait bu. Et à la suite de cette bracha, Baruch Ata Hashem, on fait toute la bracha, la Birkat Haderech, de telle sorte que celle-ci commencera et finira par un Baruch Ata Hashem. Il arrive parfois que malheureusement, on est dans la précipitation, on fait la Tfilat Haderech en conduisant, et puis on la connaît par cœur, mais malgré tout, l'inattention fait qu'on perd quelques mots. Les poskim disent que dès que l'on a mentionné dans cette bracha au moins la Hatzlacha, que ce voyage soit dans la réussite, et que Akash Bukhou nous protégera de Kol Pegara, de tout accident, alors on est quitte et on peut finir Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila.